Eh bien, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir des petits tripacks de Astre Radio. On en a 4, donc de chacun. Prêt à voir si tu veux prendre tous les nymphalies ou tous les voyis, ou si tu veux faire un nymphalie, un évoli. On va faire un nymphalie, un évoli chacun. On aurait pu faire une battle, nymphalie vs évoli. Hein. Bah, prends nymphalie, je prends évoli. Comme tu veux. Prends nymphalie, je prends évoli. Ok! On prépare tout ça, on se retrouve dans un instant. Ouais, c'est ça. Un plus ajouté à toutes! Et bien re, du coup comme vous voyez on a tout ouvert, 1, 2, 3, 4, 1, 2, comme d'habitude, plus qu'à ouvrir. C'est ça. Moi je vais garder ma team de Clamiral pour la fin. D'accord, on va commencer par la ligne du bas. Attendez, plus qu'à ouvrir, faut présenter les petites cartes promo avant. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai pour ma part le Evoli, que voici. Je trouve que le focus il se fait quand même mieux depuis que j'ai changé de mode. Peut-être. Et voilà, un joli Evoli. Et le Nymphalie pour ma part. On a également des petits jetons Evoli, on vous en montre qu'un seul. On a eu 4 fois les mêmes, hein, voilà. Nos jetons Evoli, c'était à chaque fois le même dans chaque tripack. Voilà. Bref, cette fois-ci, commençons. On commence, on a dit. Hop. Donc Hippopotas. Chaglam, Hippopotas. Hippopotas. Hérissandre. Marc Acrin, Hérissandre. Hérissandre. Calpion. Pijaco. Scalpion. Pijaco. Caninos de Hisui. Bonita. Caninos. Caninos. Le Voltorb de Hisui. Krixik. Krixik. Préférence pour Voltorb. Énergie ténèbre. Électrique. Hippodocus. Scalpro. 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 Et flèche. Sika. Grodrive. Ferrisson. Ferrisson. Un Ashikata Reverse, Rare Reverse même. Bah moi j'ai Rare Reverse également et c'est Regice. C'est pas mal. Et on finit avec un joli. Parce qu'il y a quand même du mal, tu pars sur la gauche. Oh, excusez-moi, je dévie tout au long. Joli duo. Vivre Ali, je préfère Philali. Je préfère Philali également. Eh. Est-ce qu'on. Ah oui, je peux le rajouter aussi. Du coup, le jeton de l'année, non. Voilà, on les rajouter. À la limite, tac. Si on en a d'autres. Je sais pas si on a d'autres d'ailleurs. Si, il doit y en avoir d'autres. Ce serait marrant qu'on arrive à avoir toutes les évolutions disponibles du truc. Oh, et. J'y crois pas pour l'instant. Non. C'est déjà très beau qu'on en ait deux à la fin. Next. Voilà, Furéglon. Bargantua lui suit. Préférence pour Furéglon. Ponyta. Chaglam, Ponyta. Bandibou. Medina, Brindibou. Bandibou. Archéomir. Marc Acrin. Marc Acrin. Marc Acrin. Moustillon. Culfiche de Hisui. Moustillon. Moi, je l'aime bien l'envers. Je ne vous spoile pas. Ah. Donc, bon, après, est-ce que j'avais besoin de la retourner? Vous la connaissez, quoi. C'est une Bestar. Énergie haut, du coup. Voilà. Un Oursaring. Yann Mega. Oursaring. Le miel. Craninos. Qui va rejoindre l'autre d'ailleurs. Craninos également. Parfum inhibiteur. Un Voltorb d'issue en rive. Oh, c'est qu'elle est quand même. Ça pas mal arc-en-ciel à la caméra. On pourrait presque mettre un petit luminaire. Vas-y, fais-toi place. Non. Sûr ? Non, faut le garder pour les grandes occasions, le luminaire. Ok. Luminaire, carrément. Mais oui. Coup bizarre, moi, entraîneur galerie, très son, content. On va son bizarre voix, quoi. Bah oui. Pour photo. Et on finit avec. Régidrago. Roublenard. Régidrago. Oh, il a une drôle de gueule sur ta photo. C'est Roublenard, ouais. Ouais. Ils avaient la flemme de faire des détails. Je vais quand même vous montrer le bizarre voix de plus près. Parce qu'à deux, c'est pas évident que ça fasse le focus dessus. Voilà. On enchaîne. Donc, fin des premiers tripacks. Pour l'instant, plus chanceux de ma part. Oui. Pas de grand chose. Un sécateur. Yanma, un sécateur. Evoli. Marc Acrin, Evoli. C'est le même milieu. Non, c'est pas le même milieu. Attendez. On fasse les choses correctement. Tu peux monter tes Evoli. Ouais. Moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je propose qu'on ne base pas cette vidéo sur qui a le plus de belles cartes pour gagner, mais celui qui aura le plus d'Evolution. Est-ce que je dis ça parce que j'ai l'avantage?
très clairement. On enchaîne ? On enchaîne. Donc Skyno pour ma part. Marc à crin. Attends, moi c'était Marc à crin déjà avant ? J'ai 8 ans avec oui. une carte, donc ça avait déjà Marc à crin avant, donc on attend que tu présentes la suivante. Goupillou. Je préfère Skyno. Démanta. Chlorobule. Je préfère Démanta. Quillfish de l'issue. Grelasson. Grelasson. Quillfish. Énergie plante. Oh. Boursaring. Quillpic de l'issue. Boursaring. Boursaring. Roxane. Cormier. Un Kyria. Noirfang. Je préfère Kyria. Kyria également. J'aime beaucoup Noirfang. Mais... Fragile Lady. C'est une rare reverse, non quoi. Effectivement, c'est encore une rare reverse. Moi, j'ai un insécateur. Je préfère Fragile Lady. Je préfère un insécateur. Et on finit avec un Arcanin de Issui. Regidrago. Il nous suit pas mal, lui. Je préfère du coup l'Arcanin. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on en retrouve le Regidrago. Arcanin, je sais qu'on l'avait déjà. Bon, après, il y a très peu de cartes. Entre guillemets, classiques qu'on ouvre, qu'on n'a pas déjà aussi. C'est assez rare. Mais quand ça arrive, on est quand même là. On ne parle pas. C'est vrai que... Filali, je crois qu'on a déjà eu. J'ai un doute. Mais c'est vrai que c'est plus rare que d'avoir des grosses cartes à partir d'un moment. Du coup, on enchaîne. Médina. Érissandre. 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 Yanma. Caninos de Issui. Caninos. Caninos. Baudrive. Grelasson. Grelasson. Baudrive. Oh, pour que Baudrive, je suis pas tilt. Furiglon, Furiglon. Ah, j'aime bien les deux, mais Furiglon. Alpitrini. Ponyta, Ponyta. Ponyta. Énergie ténèbre. Psy. Roxane. Lunette super efficace. Kyrlia. Archéodong. Kyrlia. Kyrlia, oui. Lino. Mateloutre. Fossile inconnu. Bélila en reverse. Oui, bravo, t'as eu du. Bélila en reverse, ouais, donc bah c'est des dresseurs donc y'a rien. On finit avec un Oursa King. Régirock. Tu peux faire ton Oursa King. On peut presque faire une. Après la famille Voli, la famille des Régis en vrai. Des Régis. Quoi? Non, tu les appelles pas Régis. Si. Non. Si ? Non, tu les appelleras pas Régis. Pourquoi ? Parce que c'est un nom nul, Régis. Moi, je les appelle les Régis. Oh non, les Régis. Régis Rock. Oui. Régis Ice. Régis Giga. Y'a pas de S, pourquoi tu l'appelles Régis ? Mais tu vois, comme en anglais, quand tu mets le S apostrophe. Non ? Du coup, pas en français, je vais me. Non, sauf qu'en français, Régis, c'est un mec qui boit le pastis sur le vieux port. T'as un souci avec le pastis, monsieur ? Non, aucun souci. Ce n'est pas ma tame de thé, ma tame de thé. Alors, j'ai fait une petite fusion entre ma cam et ma tasse de thé, d'où le ma tame de thé. N'hésitez pas à l'utiliser dans les cours de récré. C'est fou. Utilisez pas ça, utilisez pas ça. Bref, on enchaîne. Tarsal. Apitrini, Tarsal. Tarsal. Goupilou. Pijako, Goupilou. Pijako. Togepi. Psychoquack. Togepi. Psychoquack est quand même marrant. Psychoquack. Pijako. Baudrive. Pijako. Pijako. Magnéti. Simulabre. Magnéti. Ah, quoique. Ah non, il est trop heureux sur son image Simulabre pour pas être choisi, regardez-le. Il est si heureux. Simulabre. C'est bien. Énergie électrique. Acier. Un Togetic. Plume Ball. Scal 3. Créelf. Créelf. Oui, pardon, je n'ai pas dit mais Créelf. Chaffreux. Loterie Énergie. Un Feu Forêt en reverse. Parfum Inhibiteur en reverse. Et on finit avec un Roublenard. Jolie Foulard. C'est une étoile de mer. C'est Staros. Staros V. Une étoile de mer. Oui, elle est violette. Elle a un joli bijou. Enfin, joli. Bon, content. Elle a un gros. C'est un rubis, quoi. Joli rubis. Très joli full art. Très contente. Oui. Oh, très joli. Oh, si, j'aime bien.
Moi, je suis pas fan du juste le Pokémon perdu comme ça au milieu d'un... Je préfère avec un fond, mais là... Bah disons que c'est... Je trouve que c'est compliqué de lui accorder un fond qui va mettre en valeur, étant donné que c'est juste une grosse étoile. Je me suis toujours demandé par où est-ce qu'elle voyait. Tu demandes ça pour tous les Pokémon? Il y en a certains, oui. Du genre? De Sferapti, il a des yeux. Oui. Mais c'est une chauve-souris, donc on s'en fout. Mais j'avais très longtemps pas vu comment étaient ses yeux. Un sonar, etc., etc. Genre, elle n'en a pas besoin, ses yeux. Genre, lui, il regarde comment? Je sais pas, mais il y a certainement plein de Pokémon. Non, c'est... J'ai pas d'exemple, putain, mais... Je sais pas, il y a d'autres Pokémon qui doivent pas avoir deux yeux. Tu te poses pas la question. Genre, C'est bien de regarder dans ma chambre, regarder tous les Pokémon que j'ai. C'est bien. Genre... On ouvre des cartes au pire et on regarde s'il y a un exemple sur quatre. Ouais, non, j'ai la flemme de regarder. Allez hop, dernier paquet. The last. Démanta. Tarsal. Fulfish d'Issui. Farfuret de Issui. Farfuret. Bargantua de Issui. Feu forêt. Médiéna. Barloche. Médiéna. Oui. Chaglum. Scalpion. Énergie feuille. Combat. Noirfang. Sika. Fossile inconnu. Yanmega. Un Miflèche. Marée bouche bée. Un Achécateur qui est une rare rivesse. Marque à crin. Je fais un 3 Achécateur et on finit avec. Un Palkia original, Vestar. Ça m'a pris du temps en plus. Hein. Qui du coup ben, va avec le Dialga. Originel V-Star de la semaine dernière. Non, elle avait pas en V-Star. Elle avait pas en V-Star, on avait en V-Classique. En V-Classique. Eh ben, oubliez ce que j'ai dit parce que j'ai dit n'importe quoi. Mais ouais. À moins qu'il y a deux semaines, c'était une V-Star. Non, je crois pas. Non, je crois que t'as raison. Aussi, parce que V-Star, on en a pas souvent. C'était une originelle, ça c'est sûr. Du coup, moi j'avais Bastiodon en Nulo. Hein. Mais pas, ouais. Juste pour qu'il soit là, par principe. Donc on se livre tout ça et on passe au recap. Du coup, on se retrouve pour le recap. Je vais commencer. Du coup, avec la Bizarroi qu'on a eu en tout premier, je pense qu'actuellement c'est ma préférée des deux que j'ai reçues. Oh oui, vraiment... Je pense qu'on peut même dire des trois. Des trois? Oui, du tout. Oh, c'est celle que je préfère. Bah, j'aime beaucoup les Trainer Gallery, donc je trouve ça vraiment très stylé. Puis je trouve que les Trainer Gallery éclatent les Vesta en général. Enfin, les autres Arte, tu veux dire plutôt? Oui, non, enfin, tu vois, j'ai juste dit une V-Star parce que c'est une autre Arte qui, généralement, sont de très belles cartes. Mais voilà. Et on est quand même sur une très belle carte, hein, mais je veux dire, je trouve pas ça aussi beau qu'une Trainer Gallery où il y a un peu plus de travail sur la carte. Enfin, travail, c'est juste qu'il y a une mise en scène. Oui, voilà, quoi, je veux dire, bah, c'est un travail, hein, je veux dire. Parce qu'en soi, celle-ci a plus de gravure, l'autre, c'est juste plat en soi. Tu vois, celle-ci aussi, elle a ses gravures. Bah, il y a quand même un peu plus de travail au niveau des reflets. Oui, mais ça c'est la machine qui le fait, je veux dire, les reflets, les gravures. Bah... Moi, je te parle vraiment du dessin, sur lequel il y a vraiment un artiste qui va se pencher. Oui. C'est pas ton artiste qui va graver tes gravures une à une, là. Qu'est-ce t'en sais, t'as allé regarder? Non, mais je pense qu'il suffit de pas être con pour le savoir. Oui. Voilà. Rien de plus à ajouter. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Bye.